Meet Thierry. Thierry lost his arm in an accident and wears a prosthetis. The simple guy from Belgium dominated the media with a remarkable business proposal. Thierry a 35 ans et se lance dans un nouveau business. Il propose de louer sa prothèse de bras comme espace publicitaire, faire de l'argent avec son handicap. Bienvenue à tous dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Il veut transformer son handicap en atout, il propose que l'on mette de la pub sur sa prothèse après avoir perdu un bras. Une prothèse qui vous a donné une idée plutôt originale, Thierry. Comment vous est-elle venue cette idée ? Thierry noticed he gets a lot of stares at his disability, so he thought, why not benefit from all the views by renting his prosthetis to businesses as a new advertising medium? Everyone went along with his story. And the public? They loved it. But after a while, Thierry revealed this in primetime news. Ce n'est qu'une mise en scène pour la campagne Cap 48. Je ne loue pas vraiment en prothèse. J'ai fait tout ça avec Cap 48 pour montrer que les gens qui ont un handicap, ce n'est pas toujours agréable d'être regardé en tant que handicapé. Regardez-nous plutôt en tant que personne. It became the most talked about campaign of Cap 48 ever. The Belgian organization that fights for a better integration of people with a handicap never got so much media attention in their 60 years existence. Our fake news had a real impact, as we reached 81% of the population with the message to stop the staring and start looking at the personality instead of just the disability.